Eh bien ça les amis, ça va, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur AirSky pour un nouvel épisode Skyblock. Écoutez les amis, pas mal de choses qui se sont passées en antenne, un gros réaménagement de l'île comme vous pouvez le voir. Donc ici de ce côté là on a enfin posé notre spawner à lapin. C'était un peu le bordel au début, du coup on les a un petit peu encadrés. Là ça se passe un petit peu mieux. On a récupéré un cheval, enfin qu'on avait déjà, mais maintenant on a mis un petit enclos, voilà tout ça tout ça. Ici on a mis donc du coup les patates, le blé, les carottes, histoire que ça soit un petit peu plus propre, parce qu'avant je vous avoue que c'était un petit peu le bordel. Là on a de ouf optimisé la salle des coffres. Donc ça je peux dire merci à Radoxy qui a décidé du coup de mettre deux doubles coffres comme ceci. C'est vrai que c'est vraiment pas mal comme ça, c'est pas mal mieux, c'est pas mal optimisé. On s'en sort un peu mieux. On a l'arrivée d'un Ender Chest, motherfucker. Donc c'est vrai que ça, pour le moment, j'ai encore un dedans. Et là, donc du coup, pastèque et citrouille. Donc c'est vrai que c'est pas trop mal. Voilà, donc ça, c'était un peu les nouveautés. Donc ici, la machine à cobble n'a pas bougé. La canne à sucre non plus. Donc là, on a commencé à mettre en place tout doucement un farm à Verre du Nether. Mais bon, pour le moment, on s'en sert pas encore énormément. Et donc ici, au centre, évidemment, la fameuse farm à bois. Et sinon, les amis, pam 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 pam. Mais là, voilà, ça devient un peu plus intéressant déjà. Comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal avancé. Le format cactus en votre absence, hein. C'est devenu pas mal ma stock, hein, faut l'avouer quand même. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal du tout. On a une rangée combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a déjà 12 cactus fois donc du coup 63. Il y a 63 cactus hein, de long. Donc c'est vrai que c'est pas mal. 12 fois 63, vous faites le calcul, voilà, ça fait quand même plutôt bien. Ça fait, je crois, 760, un truc dans le genre, si je dis pas de bêtises. Un peu plus peut-être, même 860. Enfin bref, et donc du coup c'est vrai que c'est pas mal rentable, hein. C'est vrai que ça avance à bon rythme. Ensuite sinon les amis, on retourne du fait sur l'IS. Je voulais dire merci à quelques petits dons. Alors il y a quelqu'un qui m'a fait un don, alors c'était qui déjà? C'était T-Bikesy11, voilà, j'ai un peu écorché ton prénom, je suis désolé, qui m'a fait un petit don de bois. Ça fait assez plaisir parce que c'est vrai que j'en avais besoin pour poursuivre le fameux farm à cactus. Et également je voulais dire merci, alors ça c'est A/ESTOP, pardon, qui est donc à Topic, qui m'a fait un petit objet rare, c'est-à-dire une petite balise en don. Ça fait plaisir, je vous avoue, avec les blocs de fer histoire de l'alimenter. Donc ça on va bientôt le mettre en place, mais encore pas pour tout de suite. Aujourd'hui les amis, on a un petit programme. Donc j'ai pas envie de continuer avec vous la farm à cactus, parce que c'est vrai que c'est assez chiant. Et puis voilà, quand il fait nuit avec les mobs qu'il y a, c'est vrai que c'est un peu embêtant, un chouïa, juste un petit peu. Donc du coup ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va continuer les fameux slash C slash challenge. Donc du coup je vais retourner sur l'IS. Donc si je dis pas de bêtises, je l'ai farmé en antenne avec Fripouillex. On est censé avoir donc du coup voilà, on va s'en sortir dans les nourritures. C'est censé être par ici, je crois, ici, voilà. Donc 64, 64, 64, ça c'est parfait. Donc slash C, on peut faire la côte de porc, on peut faire la côte de bœuf et on peut faire les nuggets. Eh bébé, on se vient ou pas? Voilà, on est déjà niveau 31, 3 challenges de terminé. Ensuite il faut également qu'on ait 64 pouces de chaîne. Donc est-ce que ça on les a? J'ai un doute, on en a 34. Donc ce qu'on va faire, c'est que là avec toutes les chaînes, pardon, tous les bois de chaîne qu'on a par ici, bah écoutez, on va bûcher, hein. Voilà, on va essayer de tout récupérer et espérer réussir à récupérer effectivement les fameuses pouces. Alors après il me semble que on peut les acheter au spawn, donc c'est ce qu'on va faire. On va directement aller regarder ça. Je crois qu'on peut acheter les pouces, effectivement je crois qu'on peut les acheter, donc c'est ce qu'on va aller faire. Mais bon, par principe je vais quand même bûcher un petit peu là tous les bois de chaîne, juste histoire de faire un peu de place sur notre IS. Sinon encore une fois j'espère que vous allez bien encore une fois. Donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont repris les cours, donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Et puis pour ceux qui sont encore en vacances, et bah écoutez, kiffez cette dernière semaine à fond. Bim! Donc pareil, comme vous pouvez le voir, au niveau du scoreboard sur ma droite, les gens, on est level 742, hein, on n'a pas chômé, je vous avoue. C'est vrai que là ça avance à un bon rythme, donc ça fait vachement plaisir. Parce que si on fait un petit IS-top, oula, my bad. Si on fait un IS-top, les gens, l'île, la top 10 est à 938 levels. Donc c'est vrai que la 742, nous on avance quand même à une bonne vitesse. Ça fait assez plaisir. Donc du coup, on espère vraiment réussir à essayer de rattraper tout ça. Mais bon, du coup, effectivement, j'ai réussi à visiter quelques petites îles. Il y en a certains, ils sont quand même grave au taquet. Hein. Il y en a qui sont au taquet. Bon, du coup, nourriture, il me faut aussi des pommes, je viens de penser. On en a là. Bah ça, c'est nickel. On va se débarrasser de quoi? On va poser ça là juste en attendant. Slash C. Bim! Eh bébé! On vient de ok, d'accord, ça c'est génial. On vient de débloquer du coup des nouveaux challenges. Attendez, on va checker ça ensemble. Je pensais pas qu'on allait le débloquer en utilisant le dernier truc. Alors attendez, on va un petit peu vider les coffres parce que là c'est vrai que c'est un peu le bordel. Alors on va aller dans craft. Donc là on a encore pas mal de dalles comme vous pouvez le voir. C'est vrai que ça met bien. Là des bûches, on a encore des barrières à gogo. Là on a des bûches du coup, deux bois de chêne noir. Et là on a pas mal de sable qu'on va pouvoir déposer ici. Alors est-ce qu'il nous reste des glaces compactes? Je ne crois pas, c'est un peu la galère. Donc ça faudrait également en racheter. Donc du coup les amis, slash C,
On va débloquer les nouveaux challenges, ça fait plaisir. Donc on a besoin de quoi? J'ai envie de me lancer dans l'élevage. Fais-moi-en un de 5 vaches. D'accord, donc on a besoin d'un élevage de 5 vaches. Ok, j'ai envie de me lancer dans l'élevage. Fais-moi-en un de 5 poules. Ok, de 5 moutons. J'ai une envie d'un petit steak frites. Va me chercher 64 steaks de vaches cuits et 128 patates cuites. Ok. Ensuite on a, j'ai envie de me lancer dans l'élevage. Fais-moi-en un de 5 cochons. Ok. 5 lapins, bon les lapins on les a. Attendez, alors on va se rediriger vers les lapins. Donc ça au moins c'est fait. Ok, premier challenge de fait avec 300 d'XP, c'est assez plaisant. J'ai trouvé la recette de la potion magique, va me chercher 64 viandes de zombies, 32 os, 32 fils, 32 flèches, 16 poudres à canon et 5 yeux d'araignée. Donc ça on peut l'acheter au spawn, c'est pas un souci. Mes frères n'ont pas trop aimé le dernier repas, j'en refais un, va me chercher 64 blé, sucre, melon, carottes, patates et citrouille. Donc ça je pense qu'on peut le réaliser. Et si on se faisait des sardines grillées, va me chercher 10 poissons cuits, ok, il va faire froid. Va me chercher 4 stacks de bois de chêne, ok, 4 stacks de bois de sapin, 4 stacks de bois blanc, 4 stacks de bois de jungle. Ok, je viens encore de me faire voler un beacon, fabrique-moi un ender chest et pose-le sur l'île. Eh, ça c'est une bonne chose du coup, parce qu'on peut le réaliser également. Ensuite ici donc, quand ton île sera à niveau, donc ça on peut les faire également. Donc ça c'est pas mal du tout, on vient de gagner quelques ans, bon, ça fait plaisir et quelques, un peu d'XP aussi. Donc ensuite ici, quand ton île sera à niveau 150, tu auras une récompense. Ah bah ça c'est parfait bébé. Ah bah du coup on avait des 4 là, ah bah ça c'est nickel. Parfait, j'ai besoin d'une table d'enchantement. Alors ça je crois qu'on en a une. Je crois qu'on en a une, mais je suis pas sûr. Alors j'ai besoin d'une enclume pour écraser quelqu'un. Donc ça on l'a sur l'île. Vous n'avez pas assez d'exemplaires d'items requis. J'ai besoin d'une enclume pour écraser quelqu'un. Faut qu'elle soit sur l'île. Ah non, d'accord, ok. Bon alors attendez. On a ça, voilà, tranquillement. On va sacrifier une enclume. Et voilà, ok, donc les challenges, je vous avoue que c'est plutôt pas mal. J'ai envie de faire du trampoline, fais-moi en un de 3x3 en slime block sur ton île. Ok, donc ça aussi. Quand j'étais petit, ma mamie me donnait tout le temps à l'heure du goûter. Nanana, 128 cookies et un seau de lait. Ok. Bon bah du coup les amis, ça risque d'être assez simple. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que les amis, aujourd'hui on va prendre de la cobble. On va se mettre bien. Et on va faire un petit, une petite grillade de cobble. Donc du coup là dedans je pense qu'on a, ok, pas de charbon, pas au corps, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Alors excusez-moi pour le petit bruit de fond, il y a mon chien qui est en train de s'enjailler devant ma portière, qui me dit laisse-moi rentrer, je veux voir ce que tu fais en vidéo. Ou peut-être pas en fait, je sais pas ce qu'il pense. Peut-être c'est plus mon lit qui l'intéresse. Je vous avoue que j'ai un lit assez agréable pour dodo. Donc c'est vrai que c'est, je pense qu'il est plus intéressé par ça. Bon alors du coup par contre là on a vraiment pas de charbon. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va aller au spawn. Au passage, on va essayer de faire rapidement les petites récompenses du jour. Donc là ici il y avait le fameux sirène. Pour ceux qui le connaissaient pas, je vous présente mesdames et messieurs, encore une fois, je l'ai montré dans l'épisode précédent, mais je ne sais pas si vous l'aviez vu. Donc, il y avait celui-ci, il y en avait un autre par là-bas. Alors, attention, là, faudra être rapide. Je connais par cœur le petit labyrinthe. Donc, première à droite, bim, 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 on continue à gauche. Là, c'est la première à gauche, à droite, à gauche, à gauche. Tac, tac, on continue au fond. Alors, pardon, là, c'était à droite. Première à droite à nouveau. On continue, là, c'est à gauche. Tac, 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 tac. Je crois que c'est celui-ci, tout à droite. Et enfin à gauche. Alors là, ça se voit que j'ai quand même farmé ce labyrinthe. Hein. Ça se voit que j'ai quand même farmé. Ok, donc ça, encore une fois, on a gagné un petit peu de d'ambre. Et donc là, on va aller encore tout en haut. Bon, écoutez, c'est vrai que je triche un petit peu pour le jump. Mais voilà, écoutez, vous savez quoi? C'est un peu l'avantage d'avoir le fly. Alors, on en profite. Et donc là, du coup, le fameux petit fly qui est juste ici. Et bing! Ok, d'accord. Donc du coup, on avait besoin, en rappel, d'un gros élevage, effectivement. Moi, ce que je voulais, c'était des minerais. Donc, monsieur le minerai, il est ici. Comment tu vends le charbon par hasard? Oh ça va. Ah light. Light de ouf. D'accord, je pensais que ce serait beaucoup plus cher. Ok, donc ensuite on refait un slash C pardon. On a besoin de combien? 4 stacks de bois de chêne. Ok, bon alors du coup le constructeur, je crois que c'était ici. Voilà, donc on a 4 stacks. Et ensuite on va avoir besoin du coup de l'éleveur pour acheter des œufs. Alors on va prendre, ah non c'est des topazes. Ouh. Ouh loulou! Ah oui, ça coûte déjà un peu plus cher! Ah, ça coûte déjà un peu plus cher en fait! D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Allez, slash yes, on y retourne. Et coucou à Eradoxy! Et oui, il est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va donc retourner vers nos coffres. On va se faire un truc en mode 12 à chaque fois. Voilà. Bon, au pire, là, ça sera 16, c'est pas trop grave. Donc, comme ceci, comme cela, comme cela. Ici aussi, par là aussi. Normalement, ça passe aussi. Et voilà, et enfin le dernier qui était là. Et je crois qu'on a tout fait, c'est parfait. Ok, nickel, comme ça on va pouvoir un peu agrandir justement notre fameuse île ici. Excusez-moi. Et du coup pouvoir commencer à poser un peu l'élevage.
Donc, slash C, on peut déjà terminer donc notre fameux challenge bûcheron. Voilà, 16 ombres en plus pour en avoir dépensé 64. C'est assez intéressant, j'ai envie de vous dire. Ensuite, il nous faut donc 64 blés, 64 sucres, 64 melons. Donc, dans agriculture, 64 de blé. Ok, c'est un peu la dèche. On va là, on va regarder à nouveau. Alors, je répète, 64 blés, sucre, melon, carottes, patates et citrouilles. Ok. Alors, melon, c'est censé être ça, hein. Voilà, je sais. Carottes, ok. Ensuite, patates, ok. Ensuite, citrouille, c'est la hesse, comme on dit chez nous. Déjà, la citrouille, on n'a pas beaucoup. Du blé, alors est-ce que là par hasard du blé ça a poussé? Non, pas trop, ok. Bon, bah alors là, du coup, on va récupérer un peu la canne à sucre. Voilà, parce que ça c'est quand même pas mal rentable. Je vous avoue que là, la petite longueur de canne à sucre est assez intéressante parce que voilà, toutes les 20 minutes on peut en farmer et on gagne à peu près 45 d'ambre. Donc c'est assez intéressant, je trouve. C'est pas mal rentable. Donc après, on va voir pour prochainement, pas forcément prochainement, mais en tout cas dans cette aventure, on va essayer de vous organiser avec Freeplay et Radoxy une farm à canne à automatisée assez imposante qui a de fortes chances d'être très intéressante, effectivement. Donc là, on va encore récupérer la petite canne qui traîne par ici. J'ai juste en transformé 64 en sucre, histoire que voilà, et on va vendre le reste ensuite. Voilà, donc on a 64 sucres. Allez, récupère le reste, ça c'est génial. Est-ce qu'on a par hasard de la poudre d'eau qui traîne dans les graines et pousses? Non. Alors attendez, où est-ce qu'on a pu le mettre? Dans végétation? Ah, voilà. Je me disais bien qu'il y avait de la poudre d'eau qui traînait quelque part. Donc ici, alors on va un peu forcer le champ, hein. On est un peu des mecs tunés avec pas mal de poudre d'eau. Bon, j'abuse en fait, parce que la poudre d'eau, je crois que c'est quasiment, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 1 ambre le stack. Enfin, c'est que dalle quoi, c'est limite donné. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Bon, là du coup on peut récupérer tout ça. Voilà, donc ça nous fait combien de blé là? 27, ok, c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. Donc ça nous fait 27 de blé. On va tout reposer, voilà. Parfait, encore une fois je le répète si jamais il y en a qui sont intéressés, l'adresse IP du serveur c'est en version 1.10 et c'est dans la description pour ceux qui aimeraient par hasard venir voir, jeter un coup d'œil au serveur ou autre. Vous êtes les bienvenus, voili voilou. Donc ensuite canne à sucre, on va poser tout ça là-dedans, voilà. Donc on a effectivement nos 27 de blé plus donc du coup les derniers restants, voilà. Et maintenant il nous manque du coup plus que les citrouilles, si je dis pas de bêtises. Donc on va aller farmer tout ça, on va faire un petit... Effectivement, si on n'a pas le bon item en main, ça va pas le faire. Allez, un petit slash repair, voilà. Donc, maintenant, il faut se taper cette petite rangée de citrouilles. Donc, je sais pas combien on a sens en avoir. Je pense pas qu'on en aura des masses et je pense pas que ça suffira, malheureusement. Mais bon, au pire, on sera un petit peu patient. On aura qu'à aller jeter un coup d'œil sur les fours avec la cobble. Voilà, pour que comme ça, on n'a pas le temps de niaiser. Hein, qu'on mal à bout à grande vitesse. Voilà, exactement. Ok, parfait, bon, 36 de citrouille, je crois pas qu'on en avait 20 et quelques, hein, 13, voilà, donc effectivement, il nous en manque encore un petit peu. On va en laisser une ici, symboliquement. Donc, dans les fours, on en a 18 ici, 18 là. Voilà, donc ça c'est bien, comme ça on va pouvoir commencer à agrandir tout doucement. Et également commencer à poser les enclos avec les barrières qu'on a un peu par-ci, par-là. Donc, voilà, comme ceci, ça nous va faire un... pas mal de pierres taillées, génial, nickel. Donc, allez, on va agrandir tout ça là, par ici, tout le long. Bon bah du coup, c'est encore une fois un peu la joie et la bonne humeur de poser des blocs à fond à gogo. J'aurais peut-être dû faire ça avant de lancer l'épisode. Bon, c'est pas grave, écoutez, vous savez quoi, de toute façon, il y a le time, ça laisse le temps aux citrouilles de pousser à nouveau. Et puis comme ça, voilà, tout simplement, bah, on va essayer de prendre un petit peu de level avec l'île. Et comme ça, vous voyez un petit peu aussi ce qui se passe quand même quand vous êtes là, en antenne tout simplement, pas qu'à chaque fois il y a des blocs qui spawnent par magie entre deux épisodes, genre comme l'emballage. Je vous avoue qu'on a un peu abusé, hein, parce qu'on a quand même masse farmé pour réussir à tout faire. Bah là d'ailleurs c'est grave cool parce qu'il y a Radoxy qui est en train de poser des blocs, ça fait plaisir. Merci à lui, merci de t'être dévoué à poser ces fameux blocs, parce que je peux vous dire que moi j'ai fait quasiment tout le reste des blocs de glace. Il y a Freeplex qui m'a aidé à poser là effectivement quelques cactus et le reste, mais je peux vous dire que c'est très 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 long. Hein. Franchement on a bien farmé plusieurs heures, je saurais même pas vous dire combien de temps, mais c'est vrai que c'était assez long. C'est assez fastidieux. Donc du coup on arrive à là. Nous ce qu'on va faire c'est que je vais récupérer directement des bûches en bois de... Ah j'ai que des dalles. Ok, 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 bon alors est-ce que j'ai des bûches de bois par hasard? Ouais. Bah écoute, on va prendre ça. Ça nous fait 2 stacks. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement relier... Enfin là vous savez je pense qu'on va se faire un long champ aussi long que la canne à sucre. Voilà. Comme ça, ça sera à peu près en harmonie. Et après, juste à côté de ça, ben voilà, on posera donc du coup ici tout notre élevage. Là, ça sera déjà un peu plus cohérent, ça sera à peu près bien organisé. Je trouve que c'est propre.
Voilà, je trouve que c'est propre. Donc, du coup, on a fait ça. Il nous reste des ambres, d'accord. Donc, bon ben voilà. Bon ben écoutez, vous savez quoi, on va récupérer du coup à chaque fois nos petites roches. Hein. Y a pas le choix. Voilà. Et on va commencer à poser tout doucement les enclos. Donc là, on a un stack et là, il y en a un demi quasiment un demi stack. Voilà, parfait. Alors bon, on va commencer à voir, on va essayer de voilà compléter peut-être la surface, ça serait peut-être mieux. Comme ça, on va pouvoir commencer à poser déjà les premiers enclos et voir s'il nous reste effectivement des ambres. Parce que en fait, le truc c'est que là récemment, j'ai fait grâce à Iradoxy effectivement pour qu'il s'achète des élytras, parce que le pauvre il a pas le fly, donc c'est un peu galère des fois. Et je dois avouer que du coup, un élytra, je crois que c'est 32 topazes, si je dis pas de bêtises, c'est assez cher. Donc ouais. Effectivement, là je crois qu'on est un peu en dèche d'argent. Money, c'est où c'est ici? Ah non, il nous reste 16 platines. Et du coup, c'était des platines, je crois que ça coûtait. Alors, coffre privé mushroom, j'ai encore un mis dedans. Ok, d'accord, donc là il y a un coffre privé, c'est pas mal. Alors là, des armures avec des selles, ok. Et là, notre fameux coffre à outils qui est devenu assez intéressant, je vous avoue. Ça, c'est Fripouillex qui a tout fait. Merci à lui. On a une touchée de soie, efficacité 4, solidité 3. Voilà, c'est plutôt pratique. Là, on a une fortune 3, une effic 4, solidité 3, effic 4, solidité 3, un toucher de soi ici. C'est vrai que c'est assez plaisant. Bon, du coup, il me faut. Voilà, des barrières. Donc, alors par hasard, ils ont fait des enclos de combien ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, des 7 par 7. Donc. Ah, on va peut-être poser du bois, dis-moi. Oui, effectivement, on va peut-être devoir poser du bois par au-dessus. Donc, bûche de bois. Ah, mais du bois de chêne noir, ça fait quand même assez sombre, je trouve. C'est assez la tristesse. Moi, j'aurais bien aimé des bois de sapin. Mais du coup, on en a pas trop, je crois. Ah, hein, effectivement, c'est un peu la galère. Bah, du coup. Écoutez, on va prendre des bois de chêne noir. On en a la blinde, on va profiter. Allez hop, c'est histoire de changer un petit peu les coloris, voilà. Voilà, je trouve ça peut être cool. Et par contre, voilà, je pense pas que ça pose de problème si on pose ça au sol. Non, voilà, vous voyez, c'est même pas trop moche. Bon, bah, c'est bon, ça passe, tranquille. Bon, du coup, on n'a plus qu'à compléter comme ça. Voilà. Encore une fois, c'est la grosse enjaille, moi, je vous le dis. Alors, par contre, moi, effectivement, celui-ci, j'aimerais bien le garder en bois de chêne. Je trouve ça assez cool quand on fait ça en général. Ok, parfait. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à collectionner du topaz. Voilà. Mais je pense que je sacrifie un ou deux platines là qu'il y avait dans le coffre pour réussir à compléter ces challenges. Parce qu'il va nous falloir du coup à chaque fois 2 œufs, donc 4 à chaque fois. Et du coup, un platine, ça nous fait donc 9 de topaz. Donc on pourra déjà avec ça avoir 2 élevages en sacrifiant un platine. Voilà. Ouais, ça se voit que j'ai fait des maths pendant toute ma vie. Ok, donc ça c'est pas trop mal. On commence à bientôt finir notre petite plateforme. Ça fait plaisir. Voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Bon, par contre, du coup, je vous avoue qu'on va pas garder les barrières en bois de chêne noir. On va garder les barrières en bois de chêne. Je trouve que ça sera plus sympa. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac, 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 tac. 1, 2, 1, 2. Ça nous fait un enclos. Alors ça fait 1, 2. 1, 2, 3. Alors, faudra peut-être éventuellement agrandir. Alors, est-ce qu'on fait un truc de style genre on va mettre à chaque fois des portillons là entre les 4? Ça pourrait être sympa. Ça ferait des trucs assez grands. Est-ce qu'il nous reste des barrières? Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, bon bah, ok. Ok. Est-ce qu'on a des portillons plus grands des hasards? Alors, attends, moi j'aimerais bien récupérer ces trucs par contre. Donc, tu restes tranquille, toi, Iradoxy. Alors voilà, on va prendre ça. Donc il nous en manque encore quelques combien? Allez, encore 9. 8, pardon, 8, excusez-moi, my bad. Dans les crafts. On en a 64. C'est parfait, nickel. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanana, ok, quelque chose comme ça. Donc là, pareil, on va. Voilà. 1, 2, ok. 1, 2, voilà. Ça va en venir jusqu'ici. 1, 2. Bon, par contre, du coup, effectivement, les entrées, on va les laisser là, je pense. Et pas là derrière. Et par contre, du coup, c'est vrai que c'est assez embêtant. Parce qu'on a besoin de combien d'enclos? Alors, 1, 2, 3, 4. Et je crois que c'est tout. Ok, donc du coup, là, ça suffit largement. On n'a pas besoin de plus.
Et par contre, du coup, ça on va le fermer là, là derrière. Ça on le ferme ici là derrière, je pense que c'est bien. Et donc là sur le côté, éventuellement, on pourrait même limite le réduire. Quoique ici, on va peut-être mettre un étang ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'on va faire. Parce que du coup, c'est vrai que c'est assez embêtant de laisser le truc aussi grand. Ou alors, faudrait qu'on le décale de 2 pour le mettre ici. Il y a moyen qu'on fasse un enclos un peu plus grand que l'autre. Attendez voir. On va faire quelque chose comme ça dans ce style là. Voilà. Celui-là, on va l'enlever. Alors, 1, 2. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. 3 par 3. Ok. Et ensuite, donc, du coup, ici, on enlève celui-là. On va aller là en dessous. Donc, on va fermer avec le reste de chaîne noire. Voilà. Donc, il en faut encore un dernier par là. Alors celui-là, ça c'est de trop. Parce que là on va mettre du coup des planches en chaîne. Ok, ça a l'air pas trop mal. Ok, et voilà, ça a déjà de la gueule là. Ah là c'est pas mal du tout. Ok, là c'est pas mal du tout. Et donc là du coup tu ouvres juste ça comme ça. Comme ça là ici ça sera du coup les enclos plus vaches et moutons. Ceux qui prennent pas mal de place. Et du coup là ça sera plus poulet poulet et cochon. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ok, bon, par contre, du coup, maintenant, il nous faut des portillons. Est-ce qu'on en a? Non, on n'a pas de portillons. Waouh, comment on fait des portillons, déjà? Ça, c'est toujours le truc qui m'a fait bader. On va avoir besoin, du coup, de bûches. Alors, maintenant qu'on a des bûches, moi, j'aurais juste faire un petit test rapide. Alors, est-ce que c'est comme ça ou ça a changé, du coup? Non, ça, je crois que c'est pour faire des barrières, maintenant. Bonne question, l'ami, du coup. Alors, est-ce que c'est un truc dans le genre? Ouais, exact. Ok, donc là on a 6 portillons. Je crois que ça suffit, je suis pas sûr. Alexandre, on va essayer. Non, pas du tout. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bah c'est parfait. Et ben c'est parfait. Par contre, juste histoire de que ça soit un peu plus stylé, je vous avoue. On va faire quelque chose comme ça. Ici aussi. Alors par contre là je crois qu'on est en... Ah non, c'est parfait, il nous reste des planches de chaîne, j'ai badé un petit peu. Donc on termine ça comme ça, voilà. Ok, parfait. Juste histoire que comme ça, ça on le discerne un peu plus facilement. Et voilà, bah là c'est nickel. C'est nickel. Voilà, très bien. Alors peut-être qu'on fera des rangées de 3 pour que ce soit un peu moins... Un peu moins effrayant, entre guillemets. Je dis effrayant mais c'est pas le mot que je cherche évidemment. Non non, c'est juste histoire que... Alors, peut-être un comme ça, ensuite un comme ça, un là, 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 et puis là, encore un ici, on les met au niveau des entrées des portillons, voilà, et ensuite on fait un, on a qu'à faire un petit truc comme ça dans ce style-là, mais il y a moyen qu'après on mette des tapis en fait avec de la glowstone, mais ça c'est pas encore pour tout de suite du coup, puisqu'on en a pas, on n'a pas encore de laine quoi. Le petit truc embêtant, voilà, c'est normal en même temps. Ok, et puis donc là du coup on va faire un truc comme ça là, et puis je pense que là derrière on peut laisser, c'est pas totalement homogène, mais voilà, c'est potable pour le moment, c'est potable. Ok, d'accord. Bon les amis, je viens de voir le temps de record, je vois qu'on a, on a un peu chômé, hein, parce que c'est vrai que là du coup on est à 23 minutes si je dis pas de bêtises, hein, voilà exactement. Donc par contre on peut effectivement terminer notre challenge avec la citrouille et le reste. Donc du coup on peut finir ce challenge, c'est parfait, donc ça nous fait quelques challenges déjà de terminer. Bon bah du coup on va falloir quand même farmer pas mal de trucs dans l'épisode prochain. Donc écoutez les amis, en tout cas j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était moi, je vous fais de gros bisous, à la prochaine, allez, ciao ciao.